coucou les petits loulous. Je sais même pas si on m'entend. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des potards qui... Je ne sais même pas si on m'entend. On m'entend? Personne me dit si on m'entend. Salut Harry, salut Better Betrave. Oh mon dieu, c'est Paul... Mais Fred, faut arrêter que cette blague, tu le fais toutes les semaines. Mais je ne ressemble pas du tout à Paul Naref. Regarde, faites une recherche sur Internet. Comment allez-vous? Dites donc, alors moi je suis ravi que cette semaine soit terminée. Le mec qui dit ça un mardi. Parce que bon, depuis lundi dernier, c'est quand même roller coaster. Hein. Et... Mais non, je déconne, c'était moi. Eh ouais, m'avait pas reconnu. Le déguisement parfait. Oui, mais non, je disais, roller coaster, vous êtes encore là, notez. Et ça, c'est vachement rassurant. Parce que quand même, Noël Malware, bon, on en a parlé mardi dernier, mais Ken Lust, mercredi, bon, on n'était pas prêts. Hein. Bon, nous, ça faisait un moment qu'on le savait, mais quand même, quoi. Salut Kay, salut Hollendel, salut Wazebot, il est toujours là, Wazebot. Tartine de pain, comment vas-tu? Tartine de pain, c'est la première fois que je te vois? J'ai pas de mémoire. Hein. Et la fourre, regardez-moi cette fourre parfaite. C'est pas bien là? Bon, en même temps, il fait juste ultra chaud. Donc, hop, on l'enlève. Et on la range soigneusement. Attention, rangage soigneux. Voilà. Bah oui, c'est chichi. Le mec, attends. Quand même. La France fait des essais nucléaires dans le Pacifique à Bâle. Le mec, il dit, bon, on arrête les essais. Il est accueilli. Regardez comme il est accueilli. Il est accueilli avec tous les égards, les couronnes. Merci, mon petit. Et sous pape François, il vient de m'apporter un café. Café révolutionnaire. Le mec, il va à Mururoa, on lui passe des couronnes de fleurs, il rentre à Paris, il fait « Ouais, bon, on reprend les essais nucléaires. » Non, mais... qu'on arrête. Je suis à l'envers. Oui, alors, non, je ne suis pas à l'envers. Je suis en miroir, mais hop, par un prompt usage du Stream Deck, je vais me retrouver à l'endroit. Pas sûr qu'il ait bien vécu les couronnes de fleurs. On ne sait pas, on ne saura jamais. On peut monter un peu ce siège, non? On est au max. Ok. Alors, éphéméride. Nous sommes mardi. Ça, jusque-là, c'est bon. Nous sommes le 24 janvier. Ah, déjà, ça réduit le nombre de mardis. Et hop là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a un pianiste songeur. On va en parler dans une minute. Mais avant, on fête un joyeux anniversaire. Vous êtes prêts? John Belushi. Quelqu'un, John Belushi? Un acteur américain? Connu pour? Attends, Hamster Forever. On commence par John Belushi, dont c'est l'anniversaire. John Belushi, joyeux anniversaire. Né en 1949, figurez-vous, à Chicago. Ben oui, c'est les Blues Brothers, les gars. Les gars, les filles. Eh ouais, SOS Fantôme. John Belushi, coucou mon frérot, joyeux anniversaire. 1950, l'année d'après, toujours un 24 février, Daniel Auteuil, qui n'a jamais habité à Auteuil, mais vous avez remarqué sous pape François, qui est né à Alger, dans le département de l'Algérie à l'époque. 1966, né à Rouen, Karine Viard. Karine, si tu nous écoutes, je suis amoureux de toi depuis des années, mais bon, voilà, j'ai perdu ton 06. Et en 1975, puisqu'on n'est pas là pour poser du parquet, en 1975, oui, il est mort, mais c'est toujours son anniversaire. En 1975, ce pianiste pensif, qui est un Américain, est sur le point, parce que là, en fait, il n'a pas commencé à jouer, mais il est sur le point de créer une œuvre majeure
dont je vais vous raconter la petite anecdote. Nous sommes en 1975 à Cologne. Et ce pianiste américain s'appelle Keith Jarrett, puisqu'il y en a deux, trois qui l'ont reconnu. Pourquoi est-ce que c'est particulier? Figurez-vous que la veille, il est en Suisse, où il a joué en concert. Non, je crois qu'il n'a pas joué la veille. Enfin bref. Ça fait 2 jours qu'il est malade, il n'a pas dormi. Et sur le trajet qui l'emmène à Cologne, c'est donc en Allemagne, il reçoit l'information comme quoi il y a une grève des transporteurs et que son piano ne suit pas la caravane et que donc son piano ne sera pas le soir même à Cologne. Le mec, qui est un peu exigeant à la base, là il doit avoir 29 ans, 28 ans, 29 ans, il dit, bon le gars, on annule tout, de toute façon moi je suis malade, j'ai pas mon piano. Enfin bref. Et il arrive sur place, et là on lui dit, ouais, mais c'est bien Mimi, mais l'opéra de Cologne est plein à craquer, on fait quoi? Il fait, bon, on rappelle les techniciens, au pire, ça nous fera une répète, voilà, hop, on y va, et on joue. Et là, attendez, parce que putain, j'avais prévu un truc, j'avais prévu, pas prévu, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Mais on va la mettre là. Non, là. Qu'est-ce que je disais? Le mec s'installe, la salle se tait, et il entend l'indicatif de la salle de l'opéra qui prévient les gens que le spectacle va commencer. Et l'indicatif de la salle de l'opéra de Cologne, c'est tan 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 tan. Tan, 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 tan. Et le mec reprend le thème de l'opéra de Cologne et il se lance dans un concert en faisant des variations sur ce thème pendant 1 heure et demie, 100% en improvisant à 100%. Et c'est devenu le disque de jazz piano le plus vendu de l'histoire. Un chef-d'œuvre. C'est accessoirement le premier disque de jazz que j'ai acheté de ma vie pour faire le jingle SNCF. Cet album est ouf, nous dit DR Jones. Oui, cet album est ouf. Je vais vous mettre juste le petit. Est-ce que je retrouve. Est-ce qu'on peut trouver. Je sais que l'album entier, il est difficile à trouver sur le net. Je vous mets juste la première partie. Je crois que ça doit être bon. Cover. Mais non, c'est pas une cover qu'on veut, nous, c'est l'original. Je crois que ça, c'est bon. Donc, écoutez-moi ça, Pépouze. Ce qui est dingue, c'est que le mec, 8 ans avant, il se fait... Salut Altice, comment vas-tu? Le mec, quelques années plus tôt, 8 ans plus tôt, il se fait remarquer sur une petite scène par un agent qui se trouve être l'agent de Miles Davis. Et le mec a 20 balais. Il est pianiste de Miles Davis. Et en fait, ce qui avait tapé dans l'œil de Miles, c'était sa capacité à improviser. Ce qui s'est vérifié 8 ans plus tard à Cologne, puisque le mec qui fait l'album le plus vendu à ce jour, hein, l'album solo piano le plus vendu du monde, tout en impro. Et en fait, c'est ça qui avait plu à Miles Davis, c'était on fait un phrasé, on improvise dessus, on itère, machin, etc. Et Miles Davis y arrivait très bien, c'était vraiment un virtuose. Il aimait être entouré de gens qui avaient ses qualités aussi. Voilà. Donc le mec était. Le mec dans son genre était inégalé au piano. Voilà. Salut Alain Bashing. Ce qui est cool, c'est que des fois on l'entend chanter. Alors D.R. Jones, on entend plus que ça même, parce que du coup,
ils ont dû jouer de tous les micros. C'était un piano de répétition qui plaisait pas à Keith Jarrett. Il aimait pas les sons aigus sur le piano, ce qui fait que dans le concert, d'ailleurs, il y a très très peu de notes aiguës. Et puis il faisait les percussions de temps en temps. Il tapait dans le piano, dans le pied du piano, comme ça. Il tapait pour faire la mesure. On l'entend gémir, on l'entend. Le mec est malade, il est pas bien. Il y a une ambiance dans cet album, c'est juste incroyable. Écoutez, je vous dis pas souvent d'acheter de la musique. Le concert de Cologne par Keith Jarrett, achetez-le. Voilà. Achetez-le. Si vous n'avez pas d'argent, faites-le vous offrir. Vous m'envoyez un DM et moi je vous offre l'album. En fait, il a toujours eu du mal pour démarrer les impros, pour trouver les premières notes. C'est un autre concert assez célèbre où il demande carrément une note au public, on l'entend crier I mineur, et là il joue un I mineur, la gamme, puis paf, il part improviser. Skid Yate, merci pour ce complément d'anecdote. Voilà, Keith Jarrett et son concert à Cologne. Si j'ai pu le faire découvrir, ne serait-ce qu'à une personne du chat, je suis refait. Avant de lancer le jeu... Ouais, parce qu'en fait, on va jouer au jeu vidéo aujourd'hui. Ça change les recommandations d'Agbou. Comment ça, Ruvon? Et il gnognote plutôt, nous dit Martini. Ouais, c'est ça. Il grommelle. Il maugrait. Il maugrait. Voilà, c'est ça. Une ambiance de dingue. C'est ça. Il y a juste un piano. Et alors... La salle est d'un silence, mais un truc de mort. Il n'y a pas un qui mouffe. Il faut dire que Keith Jarrett, le mec qui n'en est pas à son coup d'essai, quand il fait Cologne, il est déjà connu pour être un petit peu colérique. C'est-à-dire que le mec, il peut se barrer de scène au milieu du concert parce qu'il y a quelqu'un qui a toussé parmi les spectateurs. Je vous déconne pas. Je vous déconne pas. Je connaissais pas, tu m'as donné envie de l'écouter. Harry Wally, j'ai réussi ma journée, du coup, merci à toi. Est-ce que j'ai pas peur de recevoir une centaine de DM? Est-ce que... Alors, Kay, est-ce que déjà tu m'as vu une fois avec la peur sur mon visage? Jamais. J'ai pas peur. J'applaudis cette recommandation des deux mains. Skid Yates, on est d'accord. Tout ça parce que t'as pas entendu Francis Cabrel en ré mineur. J'adore Francis Cabrel. Hein. La cabane au fond du jardin. Les Rocco d'Agbou, c'est Cabrel et Clara Luciani. Bon, Clara Luciani, j'aime bien aussi. Mais moi, j'aime bien tout le monde, en fait. C'est ce que j'ai dit à Julie quand elle a été inaugurée rédactrice en chef. J'ai dit, moi, j'aime tout le monde. Elle était ravie. Elle a dit, tu vois, avec toi, ce qui est bien, c'est qu'on se sent vraiment spécial. Tu vois. Kids United nous dira Beatman pour la recommandation musicale d'Agbou. Faut tousser avant le concert, c'est ça qu'on a dit, les gars, tousser avant le concert. Et puis, les bonbons dans des papiers bruyants, vous les ouvrez avant le concert. Vous mettez les bonbons directement dans vos poches. Je découvre, je vais écouter ça, Altis, tu m'envoies ravi. Tu vas voir, c'est très plein. Il en a fait d'autres, des lives improvisés, qui sont très bien aussi, qui ne sont pas au niveau de Cologne, notamment au Japon. Voilà. Je ne connais pas Keith Jarrett, hormis de nom. Donc le nom, c'est N-O-M, j'imagine, Franz. À vrai dire, je suis assez ignorant en jazz, c'est pas trop un genre de musique avec lequel j'ai de l'affinité, je vais tester. Alors, Franz, c'est pas un genre de musique, le jazz, c'est une catégorie dans le genre, dans lequel il y a plusieurs genres. On en parle à peu près une fois par mois ou tous les 15 jours ici, puisque Keith Jarrett, même si c'est un grand exécutant classique, est plus connu pour être pianiste de jazz. Mais au fil de nos rendez-vous, on a parlé de Art Blakey qui faisait du hard bebop. On a parlé de Dizzy Gillespie qui est plutôt lui latino rayonnant. On a parlé de qui on a parlé.
On a parlé des frères. Merde. Bon, ben, j'ai pas de mémoire aujourd'hui, c'est mardi. Vivement demain qu'on soit vendredi. C'est pas du jazz hardcore, hein, nous dit Scaliate, effectivement. C'est pas un truc barré. Un peu. Pas au niveau de Cologne. Haute Cologne, eh oui. C'est pas du Boulez, eh, par exemple. J'ai toujours vu le jazz comme un genre un peu pédant. Mais en fait, c'est cool, même si je préfère largement le blues et la soul. Alors, blues et soul, ça vient directement du jazz, hein. Ah, quoique non, pas la soul. Enfin bon, on est quand même dans la même famille. Mais le jazz, c'est pas pédant. Le jazz, d'ailleurs, c'était à la base une musique noire. Pourquoi? Parce que c'était une musique, au contraire, très popu, quoi. Pas du tout, c'était pas du tout le. C'était l'anti-classique, en fait. Le classique, c'était vraiment. Mais c'est vrai que quand tu jouais des instruments avant, genre trompette, c'était quand même plus simple de rentrer dans une formation de jazz que de rentrer dans du classique. Ça ne s'oppose pas. Est-ce qu'Eliette a raison? Il n'y a pas de genre de musique qui s'oppose. Moi, je suis vraiment ouvert. Ce que j'aime, c'est les musiciens de qualité. Voilà. Qui j'arrête, on est vraiment dans le haut du panier, surtout quand on sait que le mec il a improvisé tout l'album de A à Z. Tu fais waouh! Parce que ça se tient en plus. Il y a des mouvements, c'est en 4 ou 5 mouvements, et le truc se tient et il se rappelle de cette petite musique de l'opéra, et à chaque fois il s'y raccroche. Vous voyez, ses premières notes de la première chanson. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lancer là l'écoute. Les premières notes, c'est ça, c'est l'indicatif de l'opéra de Cologne. Salut Nietzsche! Alors ça, je ne savais pas que les versions de WordPress avaient des noms d'artistes de jazz. Bah, tu me l'apprends, Altice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, dès que la musique me fait quelque chose, j'aime, peu importe le genre. Ben ouais. Bah ouais. C'est vrai qu'il y a du. Moi, il y a des morceaux de métal où tu vois, à la base, je me dis, waouh, je suis pas trop client. Puis en fait, tu te retrouves devant la scène et tu fais, oh, c'est génial. Chez Jarrett, il y a aussi des albums concept incroyables. Ben oui. Spirits, j'adore aussi. Alors, ce qu'il y a, il est multi-instrumentiste, hein, qui se gère, puisqu'il est percussionniste, je crois qu'il a fait du saxo. Salut Redbeer! La dernière version, c'est Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, un jour, on va en parler d'Arturo Sandoval, parce que moi, c'est mon petit chouchou. Hein. Denis, en tout cas, j'ai noté tes recommandations. France, t'as intérêt, hein, parce que bon, on n'est pas là pour beurrer les tartines. Et j'ai perdu mon schmutz là. Il est où? Je cherche quoi? Je cherche. Mais non, pas Steam Deck, je cherche Steam. Voilà. Hop là. Est-ce qu'on y va? Alors, je ne sais pas d'où sort le son. Je vais quand même brancher mon casque. Attention, ça va faire du bruit. C'est bon. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez mieux là? J'ai raté, c'est Kiki au piano. Dis donc, Elder, on dit qu'on commence à 14h, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on commence à 14h, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à 14h16, on arrive à 14h. Et pour répondre à ta question, c'était Keith Jarrett. Et c'était une des rares photos. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit pour la photo. C'est une des rares photos qui a été prise pendant le concert, parce qu'en fait, il supportait pas qu'on prenne les photos des photos non plus. Il s'est déjà barré d'un concert parce que quelqu'un a pris une photo. Donc il y a très très peu de photos de ce concert. Il y en a une très jolie qui est sur la pochette de l'album où il est vraiment très recroquevillé comme ça, plan de côté assez rapproché où on voit un morceau de sa tête, un morceau du piano.
Mais en gros, ah, il faut que je reclique sur jouer. Ah oui, parce que c'est pas sur la même plateforme. Ouah, c'est trop fort. C'est trop fort. Ouf, ouah. C'est trop fort pour vous ou pas? Nous, on n'a pas le son, alors bouge pas. Et là, t'as le son. La question, c'est est-ce que c'est pas trop fort en fait? Le son a l'air ok, nous dirait bien. Parle pour voir sur le son. Parle pour voir sur le son. Je parle sur le son. Comment t'expliques le combo bonnet, t-shirt à manches courtes, l'esprit de contradiction? Attention, tu as posé ta question deux fois, ça annule la question. Appuyez sur une touche. Grave. Appuyez sur une touche, c'est gratuit. Ouais! On va jouer à BioShock. J'adore BioShock, j'adore l'univers de BioShock. Salut Braise. Toi, tu n'es pas corse. Tu n'es pas corse. J'ai clairement posé la question qui dérange. Mais non, tu n'as pas posé la question qui dérange. Mais comme disait Georges Marchais, interviewé par El Kabash. Mec qui invente ces trucs au fur et à mesure. Comme disait Georges Marchais, interviewé par El Kabash, « Ah, monsieur El Kabash, vous venez avec vos questions, mais moi, je viens avec mes réponses. » Allez. N'importe quoi. C'est nul. Peut-être le son du jeu un poil trop faible. Oui, mais attends, parce que ça va tirer, il va y avoir des armes à feu et tout, ça va être un peu... Tiens, d'ailleurs, pour qui j'arrête, autre anecdote, j'ai longtemps pensé qu'il était africain-américain, mais en fait, il est d'origine hongroise. Oui, absolument. Et il est né, je crois, dans le Connecticut ou en... Je sais absolument plus où on est. On est où? Alors déjà, on est quand? On est dans quel... Vas-y. C'est fait. Bon, là, on a une mitrailleuse à nous. Donc, s'il y a un baddie... Elle va le voir, elle va lui tirer dessus. Salut Mister Lucat, comment vas-tu? T'as vu, j'avais un problème, je t'ai envoyé un message, et après j'avais plus de problème. Parce que j'ai résolu le problème. C'est quoi ça? Oh! On vient de par là ou... Non, parce que j'aurais pris l'argent. Je me connais, j'aurais pris l'argent, comme François Fillon. On est pas mal là. Ouah, cette ambiance de ouf. Avec les éclairs et tout. C'est quoi ça? Ah, un crochet. On en a 9 ou 19, j'ai pas eu le temps de voir. Protect your dynasty. Ah bah là on est chez les gens bien là. Là, on est chez les gens bien. Tu viens Elisabeth? J'ai quoi comme arme là? Ah, c'est une espèce de zone de transition, ça. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? De l'argent et des bananes. Je dis, c'est tout à fait logique. Et là, un kit de soins. Mais je crois qu'on est à balle au niveau de la santé. Nous devons aller chez Comstock, Booker. Ressortons d'ici. Bon, alors là, c'est barricadé, on peut pas passer. Donc on est un petit peu en avance, c'est ça? Il y a un petit bureau, qu'est-ce qu'il y a ici?
c'est vide. Et l'autre, il y a de l'argent. Et on a 800 en argent. Bon, donc c'est pas là. Hein. Flaque d'eau, kit de soins. Ah, tiens, alors là. Maintenir pour prendre le fusil à pompe. Mais non, mais le fusil à pompe, on en a déjà un, non? Ah non. Qu'est-ce qu'on a là? On a la mitrailleuse. Mais c'est ça qu'on cherchait la dernière fois, c'était les fusils à pompe. Ah! Là, on va rigoler, là. Salut, Tsu! Le jeu rame un peu parfois, ou c'est moi? Alors moi, ici, ça rame pas chez moi. Mais vous savez, depuis qu'on a... Depuis qu'on a changé le setup, on n'a plus qu'une seule machine qui fait tourner le jeu plus OBS. Donc effectivement, là, je m'en remets à vous. Alors je suis désolé si ça lag, mais ça risque pas de changer parce que on est déjà en 1080. Allez, on attaque en frontal. Peut-être prendre l'autre fusil. Là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On ne sait pas. Et là, il y a quoi? Il y a des balises. Ouh, un escalier. Je me rappelle plus du tout de ce niveau, les gars. Les gars, les filles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Un crochet. On en a 20. Oula, trois crochets. Pourquoi est-ce qu'ils nous font descendre ici? Ah, il y a un passage. Qu'est-ce qu'il y a là? De l'argent. De l'argent. Attends, ils ont pas fait un niveau. Ils sont pas fait chier à faire un niveau comme ça. Ah, c'est de l'eau chaude. Ils sont pas fait chier à faire un niveau juste pour nous filer trois sous. Ah! Trois crochets requis. Des thunes et de l'eau chaude. Tu pourrais m'ouvrir ça? Tu pourrais m'ouvrir ça, poupée? Eh, attends. C'est fait. $238. Bon, on va les prendre. Hein. Bon. Bah, effectivement, ils ont fait un niveau, donc... avec que de l'argent. Alors que vous le savez, hein, moi l'argent, je m'en fous, quoi. Mais on va quand même prendre l'argent qu'il y a dans la caisse. Allez, viens, Babette. On y va. Et il a explosé. Pourquoi? Bah parce que c'était un gars explosant. Fouiller le cadavre. Crochet, kit de soins, cristaux. Bon, Babette, on va pas se le cacher là. L'entrée en matière était pas glorieuse. Mais on espère que... Ah, on va arriver dans le Market District. Là, il n'y a rien. Et là, est-ce qu'il y a un truc à voir? Ouais, on va y aller quand même. Elisabeth? Elisabeth? Crochet, Elisabeth. Le niveau Fillon Altis, exactement ça. Attendez, est-ce que du coup, je suis en électro-quartz? Baiser du diable. Déferlante, je vais prendre quoi là? C'est quoi ça, impulsion? Ah oui, si on les attrape. Et après, on les frappe comme ça. Bim!
Encore une salle de loot. Ah, dis donc, ils sont comme. Il y a un crochet par là. Où ça? Des crochets, on en a plein. C'est quoi ça? Des sous. Ah! Une infusion. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Parce que du coup, je vous rappelle que bouclier, on est quand même à 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait soigner cette main gauche, par contre. T'as une écharpe dedans, nous dit Alain Bashing, exactement. J'ai pas la ref de tes diminutifs. Dis donc, Christo, on a bien monté la barre. C'est la santé, dis donc, on n'a pas... Allez, on augmente la santé. Parfait. Parfait, nous dit-il. Et Babette, il me dit, il y a un crochet, mais il est où ton crochet, Babette? Barre chocolatée dans... Babette, tu me dis qu'il y a un crochet, après tu me laisses un peu... Bon, on s'était fait la réflexion la fois d'avant. Au niveau des textures pour les marques de bouteilles, ils ne se sont pas fait chier quand même. Hein. Il y en a deux. Ça, c'est dommage parce qu'ils mettaient un... Ils mettaient un petit gars là-dessus pendant une journée. Et le mec, il t'en sortait... Bon, allez, hop, on se casse, de toute façon. On n'est pas... On n'est pas un crochet près. Et là, il y a des balises, c'est ça? Ils sont où? Ils sont où les balises? Ouh là 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 là! Bank of the Prophet. Ok. Là, il y a des sous. Là, ça s'ouvre pas. Retour à l'envoyeur. Alors, c'est quoi ça? Du coup, on va avoir un pouvoir supplémentaire. Je m'en rappelle pas. Ah ouais, faut consulter, monsieur, là. Petite animation. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Ouais. Appuyez sur... Ok. Retour à l'envoyeur. Mais non, je veux pas, moi. Moi, je veux les corbeaux. Ça fout le bordel, les corbeaux. Si seulement on pouvait avoir un... Oh là là. Je l'ai tué. Oh merde. C'est bon, le bouclier. Il est où? Ah, il est là. Bon, ça, c'est fait. Pas mal, en fait, ça, ce fusil-là. Lui, il avait rien dans les poches. C'est pas mal, ce petit fusil à pompe, dites donc. Bah les gars, ils avaient rien du tout. Rien dans les poches.
tout qui est en train de brûler en plus. Dis donc, où est-ce que tu nous as envoyé là? Le pistolet, on s'en fout, le pistolet. Sinon, c'est drôlement sombre. Hein. Là. Eh ben, attends-moi ici, alors. Pourquoi est-ce qu'il nous emmène ici? C'est donc qu'il y a d'autres trucs pour s'accrocher. Pourquoi est-ce qu'on peut pas descendre ici? Alors, on peut descendre en bas. On peut descendre en bas. Ah oui. Ah! Là, on peut pas passer. Pourquoi est-ce qu'on peut pas passer ici? Ah, dis donc, regardez. Le labo des vitesses. Je ne vois personne. Fufu, on y va en Fufu. Pistolet, on s'en fout. Laisse parler ton impulsion. Mais ça veut rien dire du tout. Arrête, c'est bilvesé. J'entends des coups de feu là-bas quand même. Salut. Arrêtez-le, il était un petit peu... genre, arrêtez-le. Booker, il y a un crochet là-bas. Oui, mais t'es devant. Ah, il y a un truc drôle. C'est qu'ici, si vous prenez possession des machines, ils donnent des sous. Prendre l'argent, tel François Fillon. Oh là là, mais vous arrêtez pas de parler. Le pauvre mec qui faisait le ménage... Ah ouais, alors là, c'est le bazar. Alors, on est tout tombé là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un trou quand même dans la map hein, là. Je veux pas dire mais. Est-ce qu'on peut rentrer par ici? Non, pas rentrer par ici. Columbia, vous êtes ici, c'est ça? Banque of the Prophet, on a fait le tour par le market. Donc on est rentré en bas hein, par le Grand Central Dépôt, je crois. Quelqu'un peut me faire un résumé de qu'est-ce qui se passe dans le chat? Genre, je vais en sélectionner un. Skeddy 8, fais-moi un petit résumé en deux phrases. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es fermé. Eh oui, c'est tombé sur toi, désolé. C'est plus marqué, mais bon, on va bien vers la banque, hein, encore. Bon, là, il y a des tombes. On ne sait pas pourquoi. Là, il y a un bottin. Fusil à pompe. Et là, c'est un cimetière. Je suis nul pour le résumer en deux phrases, Denis. Bah, ce qui est dit, c'est pas parce que t'es nul qu'il faut refuser l'obstacle. Allez.
On a une divergence, je suis une voix discordante dans un océan de louanges, pour le dire vite, parce que la nouvelle d'Hélène Ripley, rédac chef, ne me réjouit pas en bref. Ben écoute, Skiddy 8, comme dans toutes les bonnes nouvelles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit pas d'accord. Et tu seras donc l'exception qui confirme la règle. Règle qui dit... La règle qui dit que tout le monde est content de voir Hélène Ripley arriver. Et tu confirmes donc cette règle. Moi, je suis refait tellement je suis content. Mais alors, vraiment. On va passer par le cimetière. Je me dis, c'est mieux. Non mais, le gars, je le bouscule, il devient menaçant. J'avais pas le choix. Frédégonde la poucave. Après, n'aurais pas dû, je me permettrais pas de le dire comme ça, mais je lis CPC depuis 2008, donc j'ai forcément un avis qui ne vaut certes que cela. Qui c'est qui disait que les avis, tout le monde en avait, que c'était comme les... Oh, putain. Bah dis donc les gars. Bon, on est plein là. Horder. Lutèce. Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a des morts partout? Je me dis c'est bizarre parce que je suis pas passé par ici. Généralement c'est quand je passe qu'il y a des morts. Qui te soit un petit passage. Ah bah non. C'est un petit passage qui est sous le machin. Ok. C'est l'inspecteur... Ah, c'est ça. Moi, c'est plutôt méthode inspecteur Harry. Alors, vous voyez, là, je suis équipé d'un fusil à pompe canon court. C'est pour l'efficacité. Hein. Efficacité maximum. Ça et le coup de coude dans la bouche. Bim. Pourquoi est-ce qu'on m'emmène ici? Parce qu'apparemment, il n'y a rien à foutre ici, quoi. Bon, il y a des gens qui sont pendus. Founder lies. Le fondateur vous ment. Bon, on va où, Babette? Ah, on va par là. D'accord, ok. Apparemment, elle sait où elle va. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde... Ah, voilà, c'est ça. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Je me permettrai pas de dire ça à Skelly 8, évidemment, qui est un membre... méritant de la communauté. Bon, tu m'emmènes ici, Babette, et puis après, tu dis, bah non, mais en fait, il y avait rien à faire, désolé, quoi. Pourquoi tu fais le tour? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on va continuer par là. Là, il n'y a plus grand monde. Hein. Un peu le bazar, cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a ici? On voit l'île d'à côté, ok, super. Ça, c'est quoi, ça? Oh, des crochets. Oh, de l'argent. Et la meuf, elle me redonne de l'argent. Ah, ok, d'accord. Enfin, la meuf. Appelons-la Elisabeth. Ah, dis donc. Je fais bien de... Hop. Ah, la taille des statues, ça me rappelle bah, l'entrée de Canard PC, hein, avec les statues d'Yvan Godet. Place de la Victoire, allons-y. Place de la Victoire, je sens la défaite quand même, hein, là. Oh là là!
Ça, c'est quand même du bouclier un peu serious business hein, là, hein, de la part de la police. Bon. On va quand même faire un check. Voir s'il n'y a rien. Ok, d'accord. Donc ici. Ok. Quoique, je ferais bien d'acheter des balles de. Je ferais bien d'acheter des balles quand même. Chargeur amélioré. Ah, attendez, on s'en fout. Ah non, ça c'est les optimes, je suis bête. Il me faut fusil à pompe. Fusil de précision, pistolet en grenade, fusil de précision, pistolet. Je crois que je suis au bout du bout. Sur les deux. C'est-à-dire carabine et fusil à pompe. Quand tout le monde est du même avis, c'est que personne ne réfléchit beaucoup. Oui, alors bon, non, parce qu'il y a, moi, y a des thèmes quand même, tout le monde est du même avis, hein. Par exemple, avec un peu plus d'argent, on s'en sortirait mieux. Tout le monde est d'accord. Lance-roquette, canon à main. Oui, donc là, je crois qu'en fait, on a tout. Ah, fusil à pompe, c'est quoi? L'argent du cône du fusil à pompe de 20%. Allez! Bim! Canon à main. LG. Faucheur. Tout le monde n'est pas si d'accord que cela pour en faire une priorité ou de se consacrer à la poursuite, Denis. Je ne sais pas de quoi tu parles, Skidgate, mais... Alors, kit de soins, cristaux, munitions de carabine. Munitions de carabine, oui. On en veut plein. Voilà, hop. Et munitions de... Canon rafale, grenade, canon à main, pistolet, mitrailleur, fusil à pompe. Hop là. Allez Babette, on y va. C'est parti mon kiki. Ça c'est la porte qu'on a ouverte tout à l'heure. Je veux quand même monter là-haut. Monter là-haut. Je veux quand même monter voir ce qui se trame parce que. On est passé par ici, on a tué tout. Et là, c'est quoi? Ouvrir la porte. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Et... Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Ta mère est morte! Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Ruvonne? Ton vélo est en panne? Il faut faire quelque chose. Moi, je propose un téléthon pour Ruvonne. Alors, vous savez que j'ai un atelier de réparation dans mon salon. Je sais pas où est ta... Enfin, en revanche, je sais pas où est enterrée ta mère. Hein. Bon, je veux bien venir avec toi, mais... Merde. Oh là 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 là, il y a du grabuge là-bas.
Ah ! Qui me tire dessus ? Là. Pourquoi quand j'appuie sur le machin, ça court pas là ? Voilà. Eh, dis donc toi, t'es où là ? Alors, attendez, parce que du coup, il y a toujours la musique frénétique, donc ça veut dire que le canon automatique va nous permettre de gagner du temps. Aïe. Boum. Donc lui, c'est fait. Plus de musique frénétique, ça veut dire plus d'ennemis. Alors, comme je te disais, Babette, je ne sais pas où est enterrée ta mère, moi. Donc, on rigole, on papote, mais... Là, pour l'instant, on court un peu comme des poulets sans tête. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il faut descendre? D'accord, ok. On va descendre, voir ce qu'on peut retrouver là-bas. Fermé. C'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. D'accord, ok. Ah oui, je voulais aller là-bas pour voir le plan. Viens avec moi, Babette. C'est par ici. Alors, à moins que ta mère soit pas enterrée dans un cimetière, t'es allé voir au cimetière. Bah, Ruven, on en vient. De temps en temps, elle nous donne quand même un indice. Mais là... Bon, écoutez, vu qu'il y avait du Rififi, normalement, c'est par ici qu'on doit aller. Pas vu derrière, il n'y a rien. Non, c'est bon. Écoutez, on va y aller comme ça. Hardy petit. Let's go, on y va. On est dans le centre-ville. Là, c'est fermé. Fermé, fermé. C'est fermé, fermé. Et de l'autre côté, il y a quoi ? Des bas-fonds. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des cadavres partout là ? Je comprends pas. Quelqu'un, bah oui. Est-ce que la ville va réussir à s'en remettre ? Elle devrait pas. Alors je sais pas, mais pourquoi ça pue la merde hein ? Tout est en feu. Alors je vous rappelle que ça c'est une réalité alternative. C'est un portail que Elisabeth nous a ouvert sur une réalité qui a dévié, on va dire. Prudence, un tireur d'élite. Un tireur d'élite ? Où ça ? Il est où ? Très bien. Tu vas prier pour
Quoi ça? Fusil de précision. Bon, on s'en fout. Il est où le tireur d'élite? Bah dis donc, il est pas très élite, le tireur d'élite. Hein. En combat, crochetage impossible. Ah d'accord, ok, donc faut d'abord qu'on dessoude le gars. Ah bah dis donc, il est là. Bah oui, mais il est où? Ok. Point du combat. Voilà. Allez, on y va. Il y a des baddies ici. Hein. Je sais parce que j'en ai... J'en ai dessoudé un au premier étage. Ah bah voilà, tiens. Dis donc, que avec des coups de coude, vous avez vu? Et ils m'ont tapé que mon shield. Là c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'aime bien... J'aime bien tester les trucs. Là, il y a de l'électricité, donc normalement, on peut pas y aller, c'est ça? Ah bah ouais. Bon, là, il y a un gameplay qu'on n'a pas trouvé. Deux crochets. Il y a un gameplay qu'on n'a pas trouvé. Là, il y a un ascenseur qui est cassé. Pourquoi est-ce qu'ils nous font rentrer là-dedans? Il n'y a rien à faire, là. On a tout dépensé nos crochets. Ça va dans le chat? T'es allé voir au cimetière. Donc là, oui. On a été voir au cimetière. Memorial Garden, je m'en rappelle bien. Je suis pas en région parisienne, ton salon, ça va faire loin. Ruvon, tu peux toi aussi monter ton atelier dans ton salon, si tu as un salon. Moi, j'ai un appartement moderne, avec un salon et une salle de bain. Je dis ça parce que, quand j'ai visité cet appartement, dans lequel j'habite aujourd'hui, j'ai cherché donc des appartements dans le quartier qui m'intéressait, etc. Et j'ai visité des appartements qui n'avaient pas de salle de bain. Et en faisant quelques recherches, il se trouve que dans certains quartiers à Paris, c'est pas du tout étonnant. Financial District, on y va? Bah ouais, on y va, hein. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Nappe de pétrole. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure. S'il te plaît. S'il te plaît, Babette. Elle ouvre la porte, après elle s'en va quand même. Hein. Nous sommes rentrés. Oui, je disais donc, j'ai visité des appartements. Donc à l'époque, je cherchais à acquérir un appartement. Et donc j'ai visité des appartements sans salle de bain. Les gens faisaient leur toilette dans la cuisine. Et des appartements qui n'étaient pas vraiment faits pour... Il fallait faire quelques menus travaux quand même, genre des cloisons, de la plomberie. Enfin, c'était pas anodin, quoi. Et donc j'en ai visité deux, comme ça. Proximité de chez moi. Je vous raconte ma vie et en même temps, je sais pas où je vais. Pourquoi
tu dis en. En. On est déjà passé par ici, Denis. Oui, et là, c'était fermé. C'est toujours fermé. C'est toujours fermé, Elisabeth. Alors, le gars qui vendait l'appartement m'a dit oui, mais avec un petit peu de. Un petit peu d'huile de coude, machin, etc., ça le fait. Mais on est déjà passé par ici, Denis. Déjà passé par ici. Là, on peut paniquer le niveau. Ok. Là, on est descendu d'un étage. Est-ce qu'il y a des trucs à voir ici? On est déjà passé par ici? Il me semble pas. Est-ce que c'est encore légal? Ah ben oui, t'es pas obligé d'avoir une salle de bain pour... Par exemple, en dehors des appartements, il y a pas mal de... d'endroits type salle de... chambre de bonne qui sont vendus avec la... avec les sanitaires sur le palier. Ouh, là, on n'y a pas été, là. Ah, eh ben, on pourra pas y aller. Ok, là, on redescend. Là, on n'y a pas été, là. Si? C'est quoi ça? C'est un lance-grenade. Il n'y a absolument rien à faire sur ce petit niveau-là. On va voir plus haut ce qui se passe. Forcément plus haut, on commence par redescendre. Donc là, apparemment, ça fait le tour du level hein, seulement. Ça passe sous l'aéronef. Ça remonte. Et ça redescend, c'est ça? C'est intéressant. Hop. Ranger le schmutz. Celui-là, on vient de le prendre aussi. Hein. Dans l'autre sens, ça va où? Ah écoutez, je suis embêté parce que je sais pas où on va. On est déjà venu. Bah ouais, Ruon, je vois bien. Il n'y avait pas un bouton. C'est ça. Il me dit d'aller dans l'autre sens. Et de monter. Et de redescendre. Je triche un peu là, mais... Il se fout de ma gueule. Il me dit d'aller par là. On peut rentrer là ou pas? On est déjà passé par ici. Oui. Par ici, on est déjà passé. On est déjà passé et... c'est fermé. Là, je suis un peu...
main sur le journal personnel de la femme de Comstock. Il est clair d'un jour nouveau. Donc ok, jusque là, une s'accroche. Pas fou quand même. Il y a rien sur la carte. Ben non, c'est ce que j'essaie de regarder, mais ici on est déjà passé. Bon, il me dit que c'est par là. Mais là, on a dessoudé tout le monde. Et je vois pas de... Là, on peut rentrer. C'est dans quoi, ça? Je vois pas de tombeau. Vous voyez un tombeau, vous, quelque part? Il me dit de faire demi-tour. C'est quand même embêtant, cette histoire. Alors, Elisabeth va par là. On est déjà passé, hein. On est déjà passé par ici. C'est vous qui aviez raison, en fait, c'est ça, depuis le début ? Me dis pas qu'il est là depuis le début. Hein. Mais on est carrément passé par ici. Il me ramène au cimetière, sans déconner. Mais alors là, Memorial Garden. Peut-être qu'en fait, on n'avait pas accès, parce qu'on n'avait pas encore la quête. On n'avait pas accès au mémorial de la mère. Voilà le cimetière où ma mère est enterrée. Mais oui, mais on est passé tout à l'heure, cocotte. Alors moi, je croyais qu'on n'avait plus rien à faire ici. Où est-ce que tu vas ? Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche ? Nous y sommes. Ah bah d'accord, en plus c'est marqué en gros. Enfin maintenant c'est marqué en gros. Et voilà. La tombe de ta mère. Oh, la tombe de ta mère. Ces empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Ouais, il y en a des biens, comme il dit. Vous allez ouvrir la... Quelle heure est-il ? C'est moi, il n'y a pas beaucoup de son. Je peux vous monter le son un petit peu. Du coup, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ouvrir la porte. Il y a des morts, t'es déjà venu. Waouh ! Alors, quand je vais être enterré, je vais être dans un cimetière, dans un truc en verre comme ça. Avec un énorme portrait de moi au-dessus. Nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Bah, laisse-moi faire quoi ? Ah ! Ouvrir le cercueil. C'est de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. C'est par amour. Je suis désolé pour les FPS. La tombe de ta mère, on dirait une chanson de...
de rap. Elle est partie. Elle est partie où? Ah non, elle est partie. Oh là là. Et ça, c'est du... Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle? Tiens le coup, il faut que tu te reposes. Tiens le coup, j'ai une arme à feu. Tiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. Alors... J'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Ta mère ressuscite les morts. Les munitions, prenez-les. Prenez ça. Ça m'aide beaucoup. Ah oui, je suis très très aidé. Oh, le headshot. Bon, tu cours, Denis, ou quoi, là? Il y en a un autre derrière. Il est où? Il est... Ah, ils sont là-bas! Bon, oh, attendez, les gars. Peut-être que je tue la mère, parce que en fait, là, plus ça va, plus ils sont nombreux. Revenez. Ouais, mais. Mais comment est-ce qu'on fait pour la tuer, la dame? La dame. Je sais pas si on peut. Je sais pas si on peut appeler ça une dame. Ce tombeau sera votre tombeau. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Des ferlantes. Retour à l'envoyeur. Dis donc, toi. Ça y est. Oh, dis donc, c'était un petit peu tendax, tendax. C'est pas du tout lundi cosy ici, hein. La seule différence entre le passé et le présent, c'est les jumeaux. C'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Je veux pas d'argent, je veux de la santé et du schmutz là. Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps.
elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension est une association dangereuse. Regardez. Ah oui. Des pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive. Ils vont être sympas les brunchs du dimanche avec la belle-mère. Ouais. Salut Icarus. Parfois, elle est pas planquée du tout, d'ailleurs. Parfois, elle dodge juste les... Hop, les balles, comme ça. Alors... Du coup, est-ce qu'on doit récupérer un truc, genre la main de sa mère, ou... Parle-moi. J'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'avez presque plus de munitions. Bah oui, je sais, je suis au courant. Et puis si je prends ça, ça va me changer mon arme. Et moi, je veux pas changer d'arme. Kit de soins. Ouais, bah vas-y. Ok, ça, déjà, ça, c'est fait. Oui, mais je m'en fous de l'argent. Moi, c'est des munitions que j'ai pas, cocotte. Enfin, je t'appelle cocotte. Je le prends pas mal, hein. Munitions de mitrailleuse, j'en veux pas. Je veux pas de mitrailleuse. Bon, du coup, ici, là, c'est mort. On peut plus y retourner. Est-ce qu'on a trouvé ton... Je suis pas débilos. On venait pour... Oh là là, quelle horreur. Ça, moi, je vois ça un soir d'orage dans un cimetière, je me barre en courant. Denis qui veut du schmutz. Mais non, Yvonne. Alors, attends. Alors, déjà, le schmutz, avec la nouvelle rédactrice en chef, le schmutz va être... Ah bah, fusil à pompe, dis donc. C'est mieux déjà. Déjà, avec la nouvelle rédactrice en chef, le schmutz va être obligatoire. Bah, je vous le dis déjà, j'en ai discuté avec elle. Et le schmutz, c'est un truc à géométrie variable. Voilà. Le schmutz, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est bien là. On devait récupérer un truc, c'est la main de sa mère. On ne demande pas la main de sa mère. Mais on avait besoin de la main de sa mère pour passer la porte. Non mais, y avait-il... J'ai enchaîné avec ma petite schmoutzette. Alors là, il faudrait qu'on passe aussi. Et du coup, on peut pas passer. S'il y a des trucs à l'intérieur, vous voyez, là, il y a un truc qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on passe ici? Babette, je suis perdu. Est-ce qu'on peut faire le tour du bâtiment? Oui. Ça nous apporte pas grand chose. Et là, kit de soins, on s'en fout. On doit récupérer la main.
La main de la mer. Mais je suis perdu, Babette. Je sais pas où. Je sais pas où est ta mère. Je sais que je vais tirer dessus. Cette conversation est très bizarre. Elisabeth, j'ai tiré sur ta mère et du coup, je sais plus où elle est. Va falloir enquêter sur la signification du schmutz. Peut-être en se mettant de profil, tu peux passer entre les barreaux. Mais non, c'est un personnage en 3D, Harry, on peut pas. Oui, alors effectivement, c'est mieux de récupérer la main que les dents de la mère. Mais c'est très étrange, ça. Alors du coup, on repart. Moi, je veux bien repartir de là où on vient. Ah bah, dites donc. Que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas? Trouver les trois failles. C'est sarcastique, ces deux-là. Madame Comstock a quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelque chose, mais je... Ah, il y a des pas... Dans une faille, et là, il y a des pas qui nous emmènent jusqu'ici. Trouver les trois failles. On continue un petit peu. Là, c'est fermé. C'est merdique à quel point le framerate, c'est genre sur insupportable sur 10. C'est genre... On va pas te laisser tomber pour autant, ou c'est bien parce que c'est toi, parce que c'est ultra, c'est extrêmement chiant. Ou c'est juste inregardable, de toute façon je m'en fous, je fais que écouter. Là c'est un peu trop tôt, on n'a pas trouvé les failles. Mon petit coco. Donc, comme quoi je... Hop. Est-ce qu'on va s'acheter des armes pour la carabine ? Munitions carabine. Salut Manticore. Pénible dans les combats sur 10, Agmou sur 10, ça dépend, ça varie, 8. Ok. Bah non, Kai, je veux pas faire de sondage parce que j'ai les mains occupées. Hop, je change d'arme. Ah regarde, j'ai toujours les mains occupées. Du coup, on va où ? Oh, mais il y a des petits pas qui nous sont proposés. Donc il y en a un là-haut. Non, il est plus là-haut. Il y en a un ici. Il est où ? 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 Ah, il est parti l'animal. Génial.
On prend les corbeaux. Faites-le déguerpir. Est-ce que dans une phase de combat, tu dis ça ? Non. Aïe 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 aïe, c'est qui ça ? Bah je sais pas, mais il se déplace en tout cas. Mais arrêtez donc, montrez-vous. Bon, du coup, maintenant, on va... Oh, je me suis méchamment reculé. Salut Denis, comment vas-tu ? Ça, c'est bon. Le jeu n'a que peu d'importance. On vient pour ta personne. Dis donc ce qu'il y a. La flagornerie ne passera pas par moi. Un petit peu, quand même. J'ai quoi ? 12, 30. Est-ce que, du coup... Vigor, on s'en fout. Et ça, c'est quoi ? Oh là là, mais non. Mais on a tout, je crois, non ? Ça fait grelin, grelin, je sais, dans vos oreilles, je suis désolé. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est les améliorations de Corbeau Meurtrier. On a pas assez d'argent. Baiser du diable assisté. Waouh, c'est super cher. Possession soldée. L'utilisation de possession vous coûte moins de cristaux. On n'utilise pas des masses, de toute façon on n'a pas assez d'argent. L'étourdissement dure plus longtemps. Allez. Ça, c'est la charge assistée. C'est qu'en attaquant, vous devenez invulnérable quelques instants et votre bouclier est rechargé. Vas-y. On peut pas. Ah oui, Denis, on n'a pas assez d'argent. Déferlante, je crois qu'on l'a jamais utilisé, déferlante. Durée de l'électrocution. Ouais. Bon, allez, hop. De toute façon, il faut bien dépenser son argent, hein, comme dit Macron. Hop, c'est parti. Merci. Ouais, il nous file 200 balles quand même. J'aurais besoin d'aide, là. Pas de problème. Eh ouais, parce que l'homme, sans la femme, n'est rien du tout. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre ? Back in 5 minutes. Mais le mec, il a mis le signe il y a 18 ans. Trouver la faille suivante. Dire par Madame Comstock n'a rien à faire ici. Elle est presque animale. Ah, des sous. Je ne sais pas. Have your photo taken here. Taken, ça me rappelle un jeu, ça aussi. Deuxième faille. C'est pas par ici. Ah, il m'emmène par là. Il n'y a pas beaucoup de baddies. Hein. Là, je crois que c'est un petit... C'est un petit passage plutôt puzzle. Donc là, on est passé, c'est là où il y avait les tireurs d'élite. Quelle heure est-il ? Oh !
Oh, 15h27, on a largement terminé ça. Ah! Trois crochets. Moi, je monte la garde. Voilà. Cimer. Poubelle vide. Ça, c'est rare. Parce que les level designers, en fait, ils mettent des trucs dans tous les... Voilà, par exemple, là, dans une poubelle, on trouve des munitions pour carabine. Ce qui est tout à fait logique. Et dans les boîtes aux lettres, des munitions de carabine. Ouh, on est à 100%, et ça, c'est bon aussi. On y va. Ah ben non, on n'y va pas. Bon ben, on a cramé trois crochets pour rien. Ma petite Elisabeth. Là, on peut rentrer ou pas? Non, on peut pas rentrer. Il y a des petits pas qui me disent c'est par là. Je suis sûr que c'est par ici. Oh, on n'y est jamais venu par ici. Les petits pas, ils ont une petite voix, vous avez entendu ? On est où? On est... Garden Victory Square, Harmony Lane, Financial District. Ah, mais on est retourné ici! C'est pas possible, ça. Note que les failles, ils ont pu les mettre n'importe où. Note. Trouver la faille suivante. On a l'impression d'être dans un jeu de rôle de... Oh bah dis donc, ah, le gars, il a fait 8 mètres. Bah je m'attendais pas à ça surtout, quoi. Le lag était sévère. Ça lag en début de fight, en début de cutscene, quand je dois changer des trucs. Du coup, ce qu'on va faire, quand on aura terminé BioShock Infinite, on va prendre un jeu un peu moins énervé. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait... Jusqu'à ce qu'on ait un autre setup. Ça m'étonnerait qu'on ait un autre setup, mais bon. Il y avait un canon automatique qui nous aurait bien aidé. Donc ici on est déjà passé, mais alors du coup là maintenant il y a des cadavres partout. Ah, on va peut-être pouvoir passer du coup maintenant. Qu'est-ce que cet endroit a à voir avec ma mère? Ah bah voilà, on peut passer maintenant. Bon, on est à balle, c'est bon. Et là au niveau des armes...
Alors, allez. Allez, c'est parti. Il nous reste une demi-heure. Celui où il jette sa fille dans le volcan parce qu'il en a marre qu'elle se fasse kidnapper. Bon, il en a marre. Il en a marre. Je passe ma vie à aller te chercher parce que tu te fais kidnapper. Ah bah on est arrivé déjà. Ah moi je papote et puis on voit pas le temps passer. Hein. C'est comme avec les enfants, on les voit pas grandir. Je suis équipé en quoi là? Je mets en... Ah, attends, parce que... Génial. C'est un clou, l'Égyptien. Ah bah, le voilà, lui. Eh, on me tire dessus, en plus. Où ça? Bah, viens, si t'es un homme. Ah bah, voilà. Eh, hey, pas une balle, hein. Pas une balle de perdu, vous voyez. Ça suffit, toi. On est bien. Bon, on va descendre dans la raid. On va arrêter ça. On va arrêter le carnage. Voilà. Je les tue en lui tirant dans le genou. Ah, tu m'appelles Monsieur DeWitt maintenant. Les traces semblent mener jusqu'au coffre. Bon, on va pas récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, de toute façon. Et c'était sympa cette scène. J'ai beaucoup aimé. C'est fermé. Là, on peut pas monter même en sautant. Oh, c'est dommage. Dommage. Oui, disons, c'est du gros coffre-fort, ça. Je sais qu'il y a des tireurs. Il est où? Ah bah il est là. Bah voilà. Qui fait le malin finit dans le ravin. C'est mon ami Roman qui disait ça. Je pense qu'il le dit toujours d'ailleurs.
Roman, c'est un ami à moi, figurez-vous. Il a un studio de développement de jeux vidéo. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, Elisabeth, il n'y a rien ici, on se casse. Oh là là, il y a plein d'argent. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas vénal, hein, mais c'est, ce qui me fait de la peine, c'est de voir de l'argent par terre. Pour ça, je le ramasse. Ça fait pas très propre. Là, on peut pas fouiller, là, dans les casiers. 50%. Quoi ? Comment ça ? 50% de tous leurs revenus sont versés à Comstock sous forme de taxes. Je ferais peut-être bien de me mettre à mon compte comme prophète. 50%. Dis donc, c'est de la grosse commission. Hein. Ah, j'ai vu des corbeaux. Alors attendez, parce que là, je suis quoi ? Retour à l'envoyeur, on s'en fout. Je suis pas fou, hein. Depuis tout à l'heure, on voit des corbeaux. Ça, c'est la deuxième... Parti où ? Ah mais il est mort. Oh ! Génial la scène. C'est vraiment génial. Hein. Là, les level designers, chapeau. Comme il dit François, chapeau. Oui, Soupape François, il dit tout un tas de trucs. C'est un peu le dawa, là, au niveau des coffres-forts. Hein. Je veux pas dire, mais... Bon, Babette... On a trouvé la deuxième faille. Et si j'accepte de faire ça, tous leurs brevets seront sabotés ? Absolument. Les pampons, ça suffit, d'accord ? Pourquoi diable le prophète veut-il faire tuer ces gens ? La même raison qui avait tué Madame Comstock, l'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge ? Est-ce que Roman a recruté Khan ? Salut Kay ! Je ne crois pas que ce soit la vraie Madame Comstock. Je crois que c'est un mélange entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça ? Je suis en colère contre elle et contre mon père. Ah. Je crois que c'est elle, mais... Mais ta mère est morte. Je suis même pas sûr de bien comprendre moi-même. Elle est pas sûre de comprendre elle-même. J'y reviendrai, mais pour l'instant, je suis un peu hermétique au concept piano solo de Keith Jarrett. Alors, ben bonjour Juju Lala. C'est pas pour tout le monde. Hein. Mais là, pour le coup, si j'avais des trucs à vous faire découvrir en piano solo... C'était ça. Je te mettrai un petit truc un petit peu plus rayonnant, un petit peu plus ensoleillé la prochaine fois. Un peu plus jazz latino. Et on peut pas sauter ici. On peut pas monter. Donc là, on en est à 2 failles sur 3. Hein. J'adore, c'est qu'on a quand même de l'ambiance sonore, mais pendant qu'on compte les pièces, l'ambiance sonore s'arrête. Je ne sais absolument pas où est la
La suite de l'histoire... Ah bah dis donc. Ça va être chaud patate, dis donc. Elle est où la dame? Elle est là-haut. Et du coup, je sais pas comment... Allez, eh oui, parce que du coup, les autres, ils sont de nouveau en vie, là. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Comment est-ce qu'on la tue, elle? Bon, alors là, normalement, je l'ai eu. C'est marrant parce que quand je lui tirais dessus avec le fusil, ça faisait rien. Et du coup, à la fin, je l'ai eu avec le fusil à pompe. Eh bien. Bah, dis donc, c'est pas joli joli. Comme on dit chez nous à Montargis. Ah, niveau santé, c'est pas terrible. Hein. Il y a des trucs à récupérer ou pas? Des cristaux? Bah, eux, ils ont pas de vie, forcément, parce qu'ils sont morts. Ah, si, kit de soins. Ah bah, voilà. Pourquoi tu fais la tête? Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi tu boudes? Elle boude. Besoin d'argent? Oui. Voilà. Ah, elle boudait, maintenant elle me donne de l'argent. Ça m'intéresse. Ça, mollement. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est quoi? On s'en fout. Quelle heure est-il? Il est moins le quart. Oui, alors, moi, Juju, là, je suis partisan de pas se mettre Martel en tête. Tu écoutes un truc, ça te plaît pas, tu passes à autre chose. À l'extrême limite, tu pourras le reprendre plus tard. Épouse. Donc on est passé par là tout à l'heure. Et en fait, c'est par là. C'est par où? C'est par ici. On doit reprendre l'ascenseur, non? Ben si. Bon, apparemment, on doit quitter la zone. Faut pas se mettre Martel en tête. Mais non, Martel, M-A-R-T-E, 2-L-E, c'est un petit marteau, vous voyez?
comme Sophie. C'est nul. Sophie Marteau. Ok. Denis, tu sors. Elle est où cette troisième faille? Parce que là, on papote, on rigole. Mais bon... Ah bah, il fait jour. Il fait jour et la ville est toujours à feu et à sang. Ah, la dernière faille, elle est là. Pourquoi tu cours pas, toi? Attends, est-ce qu'on achète des munitions? C'est ici les munitions? Aïe! Pardon, excuse-moi. Oui, c'est ici. Munitions de carabine. Munitions de... Fusil à pompe. Ah, c'est bon, on est plein. Bon, là, il y a des papiers qui volent partout. On a un peu l'impression que c'est des confettis et qu'on dit au revoir à Can Lost. C'est chouette, ces perspectives, là. Elle est où, la dernière faille? On va tomber sur des baddies, hein. Je vous préviens tout de suite. Et on retourne sur cette plaza, là. Ah bah elle est là. Ah non, ça c'est un abri. Attends, ils nous font revenir sur nos pieds, sur nos traces là. Je me rappelais plus qu'on tournait en rond dans ce niveau là. Parce qu'on est passé par là quand même 1000 fois. Hein. Il y a les petits pas qui sont là, on est sur le bon chemin. Ils vont nous renvoyer au cimetière, tu vas voir. Ça me rappelle pourquoi j'ai jamais pu faire BioShock Infinite, ça fout la gerbe, le grappin manège dans les airs. Oui, alors moi aussi, la première fois que j'y ai joué, c'était les rails là, avec les grappins, ça m'a un peu foutu la gerbe. En fait, on s'habitue. On s'habitue. Trouver la dernière faille. Écoute, là, c'est le cimetière. Elle est dans le cimetière, la dernière faille? Et non. Elle est par ici. Les petits pas nous guident. Tu vas voir qu'on va tomber. Oh, regarde ça.
Bon, on en a buté 3. Dis adieu à ta tête. Oh bah ça a été rapide. Tu peux jeter un coup d'œil. Ah, il y a de l'argent dans les boîtes aux lettres. Trop cool. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va commencer par le premier étage. Hein. Ah. Il y a un schmutz là. Ah oui, cool. Alors, on prend quoi ? Santé ? Bouclier ou cristaux ? Allez, on prend santé. Pile ce qu'il me fallait. Pile ce qu'il me fallait. Bon bah, de toute évidence, c'est pas au premier étage que ça se passe. Hein. Il y a des machines. Apparemment, c'est au rez-de-chaussée que ça se passe. Regarde-moi ça. On a ouvert les trois failles et il est moins 5. Ah oui. Stérile. Ok. Tu n'es pas leur fille. Ils ont choisi de prisonner. Je ne comprends pas pourquoi nous envoyer vers trois réalités. Les failles étaient-elles liées par une sorte de champ quantique ou alors. Elisabeth. Ils voulaient que tu la comprennes mieux. Qui? Je voulais dire. Bien, venez. Venez, venez, d'accord, ok, mais du coup. On est dans quelle réalité là ? Je suis un peu perdu, Elisabeth. Je suis un peu perdu. Donc il faut qu'on retourne à l'entrée de la maison de Comstock. Alors ça, normalement, ça devrait être facile. À moins qu'on nous mette des baddies sur notre route. Pourquoi est-ce que j'ai encore des traces de pas partout ? On a eu les trois failles là, ça va ? Alors la maison Comstock, elle est où ? Comstock House, donc il faut qu'on parte. Faut qu'on repasse là où c'est tout cassé. Qu'on aille en face. Ok, d'accord. C'est tout cassé, c'était là. À gauche, c'est ça ? Oui. Dis donc, Elisabeth, c'était moi en prom, ça. Arrête de faire genre je cours plus vite que toi. Il est tombé. Il a tué Madame Comstock. Et il préférait voir mort ceux qui connaissaient la vérité. Je ne suis même pas sa fille. Je suis juste un spécimen. Je suis juste un spécimen. C'est faux. Elisabeth, écoute-moi. Ce que tu as vécu, personne au monde ne mériterait ça. Je crois qu'il était déjà mort, lui. C'est compris. Et tu vas pouvoir oublier tout ça. Rosaline Lutèce n'est pas ma mère. Oui, bon, on va pas en faire un programme. Ah
Ah non! Ah, mais on peut pas les abattre au corps à corps, eux. Bon, alors du coup, faut s'occuper de la matriarche, là. Ok. Donc en fait, elle est vulnérable quand elle invoque des morts. Non, on a pris cher là. Je ne suis pas une enfant de la honte. Oh mon Dieu. Le prophète, il m'a tué. Ce que vous menaciez de tout dire. Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie? Alors, t'es en vie, mais bof quand même. Hein. Pas dans ce monde. T'es un peu en lambeau, en fait. Dans un monde t'es en vie lambeau? Lui, il était bien baraqué. Hein. Ah, elle s'en va. Merci. Il me manque des trucs. Ah non, ça va, je suis à peu près stuffé. Donc là, on rentre chez Comstock. Ok, d'accord, mais comme ça, hein. Là, ça va me dire, est-ce que vous voulez changer de zone? Oui. Et ça sera la fin de notre petite balade dans les nuages. Parce que je vous rappelle que c'est une ville dans les nuages. Ah, on n'a plus de munitions. Et là, bof, bof. Hein. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. C'est génial. Regardez ce qui nous attend la prochaine fois. Regardez ce qui nous attend. Ah, regardez ce truc de ouf. Ben voilà. On va s'arrêter. Oula. On va s'arrêter là. On s'arrête là. Hein. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est pas mal qu'on s'arrête là? Oui, quitter la partie. C'est pas mal qu'on s'arrête là parce que... j'ai des invités ce soir. Alors, il faut que j'aille faire des courses. Ma vie est passionnante, d'accord. The Mount Rushmore à domicile. Ouais, non, mais il y a des Mount Rushmore. Attention. On mange quoi, dit Turg? Alors, moi, je suis savoyard et c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on mange l'hiver en Savoie? On mange du fromage fondu. Eh oui, avec des patates. Eh oui, c'est de la haute cuisine. Merci, Turg. Par la main de ta mère. Arrêtez, sinon je tire dans la tête à la main. On vient à quelle heure, nous demande Nietzsche. Écoute, je pense que c'est 18-19 heures. Je crois. Eh non, Yuka, la popiette, c'est le midi. Là, ce soir, on mange du fromage fondu. Oui, là, devant vous, le pianiste pensif, on en parlait tout à l'heure en prenant le stream à 14h, qui se jarrête. Sur cette photo, c'est un 24 janvier, donc 24 janvier comme aujourd'hui,
hormis l'année, puisque là c'est le 24 janvier 1975, Keith Jarrett est plongé dans une profonde réflexion. Il n'a pas commencé son concert, il est malade, il joue pas avec son piano, c'est un piano de répétition. Il a, comme on dit communément, il a le seum. Malgré tout, il va improviser 100% un concert, salle pleine, l'opéra de Cologne en Allemagne. Il va improviser un concert. Son ingénieur du son va sauver les bandes qui étaient de qualité moyenne pour en faire l'album de piano, de jazz piano, le plus vendu au monde, qui s'appelle The Cologne Concert de Keith Jarrett. Voilà. Je termine en vous disant, si vous roulez à vélo en agglomération, arrêtez-vous au feu rouge. Eh oui, même toi là-bas au fond. J'espère pouvoir vous faire des streams vélo rapidos. Je dois vous avouer que la température, la météo ambiante est pas vraiment propice, hein, parce que ce matin je suis venu avec mon petit vélo, mais il faisait zéro. Mon fils m'a même dit, papa, fais attention, ce matin il fait moins zéro. C'est entre le moins zéro et le plus zéro, on a quand même un... Voilà. Bientôt 50 ans, eh ouais. Alors le piano n'était pas désaccordé, mais il sonnait mal, notamment dans les notes aiguës. Zegerson. Après 24 heures sans dormir, y avait-il... Je crois que c'est 48 heures, il n'a pas dormi pendant deux nuits. Bien. Ceci dit, donc voilà, moi je suis refait, c'est une semaine géniale, puisque on fête l'arrivée, entre guillemets, le retour de Hélène Ripley, qui va être rédactrice en chef. Elle a plein d'idées, le magazine va changer dans la continuité, vous voyez, comme dirait Yvan Godet. Moi, il me reste à vous embrasser tous chaleureusement. Voilà, c'est mon style. Je vous embrasse. Je vous dis à mardi prochain, 14h. C'est pas encore dans le stream. Cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, demain, rien. C'est relâche. C'est mercredi, jour des enfants. Enfin, mercredi pour la rédac. Moi, c'est vendredi. Et ensuite, jeudi à midi, on aura High on Life avec Ambroise. Et Police Simulator Patrol Officers avec le brigadier chef Agbou. Ça sera jeudi à 14h. Voilà, c'est vos deux rendez-vous de jeudi, forcément. Vendredi, on se retrouve à 11h pour le navigateur de Yvan Le Fou. Et moi, je vous dis à mardi. Comme ça me permet de vous souhaiter un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end. On est mardi. Est-ce qu'on raid? On raid quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Salut, soupape François. Bonne fin d'après-midi, tout le monde, dit-il. Ben oui. Est-ce que on raid quelqu'un? Est-ce que moi j'ai... Oh, écoutez, j'hésite. On raid Bullet Corp? Oh non, on va aller raider Kamui. Kamui, oh oui, Kamui. Kamui, c'est mon ami. Kamui Robotique. C'est Robotics. Let's go Kamui! Raid Kamui, Kamui Robotics, je pense que j'ai bon. Ouais. On va voir si ça marche. Oui, ça marche. Je vous fais un gros bisou. Même à toi là-bas. Même toi qui n'étais pas content de revoir Julie en rédacteur en chef. Je déconne. Je fais un gros bisou à tout le monde. Allez hop, c'est parti!